L'Association française de foot golf a été créée en juin 2013. Donc ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on développe ce sport en France. Donc c'était un tout nouveau sport, voilà, qui vient des Pays-Bas, qui est arrivé en 2009. Il y a maintenant 28 pays qui sont lancés dans cette aventure. Et le principe, c'est tout simplement de jouer au foot sur un terrain de golf avec les règles du golf. Donc voilà, c'est de faire, des parcours en un minimum de coups, mais avec un ballon et avec ses jambes plutôt qu'avec des clubs et avec des petites balles de golf. Bah, le but, c'est qu'en fait, au départ, depuis un an et demi, on essaie de sillonner un petit peu toutes les grandes villes de France, notamment les villes de football, pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce sport, d'essayer. Donc on a une cup en fait qui fait le tour de 12 étapes en France. Et donc là, c'est la deuxième étape, 2015, donc c'est la première fois qu'on vient à Toulouse. Et voilà, on a été accueillis sur le golf de Toulouse Sail, où le parcours de football va rester après à l'année. Donc tout le monde pourra venir jouer comme ils peuvent jouer au golf, prendre des créneaux et des green fees de football sur le golf de Toulouse Sail. Aujourd'hui à Toulouse, c'est avant tout un match play face à la Suisse. Donc moi, en tant que joueur de l'équipe de France, j'ai essayé de marquer des points donc, pour l'équipe de France, essayer de battre cette équipe suisse. Et en plus de ça, essayer de marquer des points dans la Foot Golf Cup voilà, pour les points du championnat de France. Et évidemment, je vais essayer de défendre mon titre cette année. Donc l'essentiel, c'est de marquer des points pour le championnat de France. Il faut être très patient, là, surtout sur un parcours comme aujourd'hui. On a mis presque 5 heures pour faire les 18 trous. Donc beaucoup de patience, et puis après les qualités techniques, c'est de la force et puis beaucoup d'intelligence sur les arrivées pour les putts et tout ça. On est sur la deuxième étape de la Foot Golf Cup, donc le championnat de France. On a la chance de pouvoir jouer sur un magnifique parcours. Malheureusement, le temps n'est pas de la partie. Maintenant, on voit que même avec un mauvais temps, il y a énormément de gens. Donc ça montre encore une fois l'engouement pour le foot golf, le développement. L'Association française de foot golf, Romuald Preto à sa tête, fait un travail absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on a fait le déplacement depuis Genève. Donc on est venu hier soir, on repart ce soir. Pour profiter un petit peu de ça, on a un calendrier très chargé. On voulait absolument participer à ce tournoi et faire un match amical France-Suisse, ce qu'on est en train de faire avec beaucoup de plaisir. Une super belle opération dans un golf qui est parfait pour la pratique du foot-golf, où on a deux terrains qui permettent donc une pratique régulière maintenant sur 9 trous et 18 trous en pratique événementielle. Et ce qui nous a permis aujourd'hui, avec un temps, on va dire, moyen, d'avoir un événement très sympa avec une 100-150 participants, un peu moins 120 participants, ce matin en individuel et cet après-midi par équipe. Et on a eu la chance d'avoir plusieurs anciens joueurs ou joueurs qui sont passés nous voir ou jouer avec nous. Donc un événement super positif. Où tout le monde a joué le jeu, et on remercie entre autres notre partenaire le golf de Seine et tout le monde qui a participé.